Comme j'avais le chien, on ne m'a pas laissé entrer aux Aliscamps. Comme j'avais le chien, on ne m'a pas laissé entrer non plus au Luma. Je me suis guidée au bruit. C'est l'œuvre d'une artiste coréenne, m'a dit un gardien sur la terrasse. Je suis restée au bord, avec le chien. C'était un débutant qui s'entraînait. J'ai fait une vidéo et des photos. Quand il s'est arrêté, je lui ai proposé de les lui envoyer. Il m'a donné son mail et son WhatsApp. Ça ne marchait pas. Et puis ça a marché. Il m'a dit que la nuit, le skate park était luminescent, que le gars qui arrivait était un pro. J'ai attendu longtemps qu'il se prépare, change de blouson, de chaussures, sorte sa petite bouteille d'eau de son sac à dos, range ses affaires et prenne sa planche. Quand il a eu fini, je n'avais plus envie de prendre des photos. Je l'ai posé. Il n'était pas si bon que ça. On est redescendu, le chien et moi. Des élèves sortaient du MOPA avec des cartons à dessin. Le chien leur a fait la fête. Ils le lui ont bien rendu. Les filles surtout. 300 élèves par promotion, m'ont-ils dit. 8 000 euros l'année. Des films d'animation en 3D.